Salut, bienvenue au Verseau. Allez, je vais voir les énergies qui vont vous accompagner ces 15 premiers jours du mois d'octobre. Je date, mais bon, parce qu'il faut bien rassurer un peu le mental, mais sinon les énergies sont fluides. Prenez ce qui résonne avec vous et laissez le reste. Allez, pour les Verseaux. On parle de retard pour vous les Verseaux concernant ici une amie, quelqu'un qui est plutôt proche de vous par rapport à un rendez-vous, un déplacement, des retrouvailles. Et pour d'autres, ça peut être aussi une sœur qui peut ici, qui tarde ici peut-être à rendre visite au domicile. Voilà, j'ai deux cas de figure. Pour d'autres, ça peut être aussi une maison qui vous retarde ici. Vous avez, parce que là, vous avez peut-être ici un déplacement à faire vers une jeune fille, une jeune femme. Et là, c'est peut-être une maison qui vous retarde. Des travaux ou quelque chose comme ça. Vous avez affaire ici peut-être à votre banquier ici. Parce que là, je vois de l'argent et là, le roi de pique à côté avec le roi de trèfle. J'ai l'impression que pour vous, les Verseaux, vous avez affaire vraiment ici à... Il y a un projet ici que vous voulez, que vous avez entamé, que vous avez démarré en tout cas, ici, qui a nécessité peut-être ici un emprunt auprès de la banque. Qui a nécessité, pardon. Du coup, il y a des papiers, des contrats ici. Bah oui, réussite. Avec de l'argent. Bah voilà. Ça se reconfirme. Ouais. Donc là, il va y avoir ici des papiers, une signature qui va être faite ou qui a été faite en fait. On parle de réussite parce que je pense que vous avez réussi à avoir l'emprunt. Il y a des nouvelles ici concernant ici de l'argent également. J'ai trois as. Je viens de m'apercevoir. 3 as, ça veut dire la réussite, mais c'est pas sans peine quoi. Hein. Ça va le faire, mais il y aura de la difficulté dedans. Ouais, il y aura de la difficulté. Là, c'est une réussite, mais dont il faudra ici batailler quoi. Ça sera pas sans peine. Hein. Il y a vraiment des nouvelles qui arrivent vers vous, les Verseaux. Les discussions, des nouvelles qui arrivent, qui sont là. J'ai l'impression par rapport à l'élaboration d'un projet. Vous avez dû peut-être pour moi ici emprunter une grosse somme d'argent auprès de la banque. Hein. En tout cas, ça s'est fait parce que j'ai quand même quelque chose qui est là. Concernant peut-être ici un foyer, une maison, un bien immobilier. Mais la réussite avec trois as, ça nous dit oui, il y a la réussite. Mais à quel prix, j'ai envie de vous dire. Voilà, allez, hop. Allez, pour les Verseaux. On va voir ce que va nous dire l'oracle des miroirs. Et pour d'autres, c'est vraiment s'il y a un retard en déplacement vers quelqu'un que vous aimez, j'ai l'impression que c'est une maison qui vous retarde. Hein. Allez, hop. Un foyer, quoi. Allez, pour les Verseaux, s'il vous plaît. Pour les Verseaux. Quels sont les messages pour les Verseaux? Ouais, accusation. Clairvoyance. Il y a un projet ici, hein, un rêve qui vous tient, qui vous tenait ici à cœur. J'ai l'impression que vous n'avez pas vu venir arriver les problèmes et parce qu'il y a quelque chose ici qui semble être ici en échec, les Verseaux. Il y a un projet, vous n'avez pas vu. Franchement, avec la clairvoyance, l'accusation à côté suivie de clairvoyance, le rêve et l'échec, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose ici qui vous tient un projet. Parce que les rêves, c'est un projet, l'ambition de vouloir ici construire, bâtir quelque chose. Et là, j'ai l'impression que vous n'avez vraiment pas vu arriver les ennuis qu'il y avait derrière ce projet, en fait. Parce que là, j'ai quelque chose ici, ouais, ça tombe un peu en ruine. Il y a des difficultés, des épreuves, des choses qui ne se passent pas comme prévu ici, hein, clairement.
Ça a été finalement, c'est un peu le revers de la fortune, j'ai l'impression ici, que vous avez ramassé. Parle de trahison, de chance, instabilité et fécondité. Vous avez eu affaire à des personnes peut-être qui vous ont un peu poignardé dans le dos, hein, comme sur cette image. Des personnes ici, on vous sent dans la déception quand même, les Verseaux. Hein. Il y avait de la chance de votre côté, mais j'ai l'impression à la vie de tourner en rond, la vie de tourner parce que je ressens dans l'instabilité. Vous avez manqué de chance pour moi ici, dans ce projet-là peut-être, ou dans cette situation. Il y a de l'instabilité actuellement, il y a quelque chose qui est en train de devenir. Qu'est-ce qui est en train de devenir ici avec la fécondité? Enfin, en fait, c'est venu après, en fait, du coup, vous voyez, tous ces problèmes-là, ces choses-là sont venues après. C'est pour ça que vous ne les avez pas vus venir au départ, en fait, vous voyez. Et là, c'est vraiment la trahison. J'ai l'impression que vous avez vraiment ici subi, justement, comme le porte la carte, des trahisons de certaines personnes qui ont dû retourner sûrement leur veste. On parle de réunion. Il y a des contacts ici qui vont se faire, qui vont être établis à venir. Il y aura ici des discussions, des réunions, des contacts qui sont là pour vous. Parce que je l'avais demandé par rapport à la fécondité, qu'est-ce qui arrive? Je vous sens dans l'instabilité, hein, parce que là, j'ai l'impression que votre chance, elle a un peu tourné. Hein. Voire un peu beaucoup. Allez, changement. Il y a du changement qui arrive. Oula, enfermement. Amour. Ouais, tranquillité. Ouais, du coup, ici, par rapport ça peut être un projet qui vous tenait juste à cœur, hein, pas une histoire d'amour. Hein. Et pour d'autres, c'est vraiment par rapport du coup, à l'amour, j'ai l'impression que c'est un peu mis de côté parce que là, je vous sens enfermé, isolé, éloigné, forcément. Il y a du changement qui arrive, mais là, il y a la tranquillité. Vous allez vers plus de tranquillité à venir. Ouais. Vous avancez vers plus de sérénité parce que là, je vous sens vraiment pas bien du tout, je pense, par rapport à ce que vous mettez ici en place. Je vous sens dans l'enfermement, dans l'isolement, vous vous sentez seul, peut-être un peu seul dans ce que vous avez élaboré. Il y a du travail, hein. J'ai l'impression que ça peut être soit lié au travail, soit ça peut être lié à des travaux, soit à ce que vous entreprenez comme projet, peu importe. Voilà, un projet professionnel, un projet un travaux, des travaux, c'est vous qui voyez en fait, chacun son domaine. Ça peut être aussi par rapport au travail, un projet ici professionnel que vous mettez en place, qui j'ai l'impression a un peu tourné au vinaigre. Là, il y a du changement qui arrive après une période ici d'enfermement, d'isolement et d'éloignement. J'ai l'impression que vous vous êtes un peu éloigné également de la personne que vous aimez. Mais bon, vous allez vers plus de tranquillité ici et une période de calme et de sérénité s'annonce pour vous. Je vous le souhaite. Allez, pour les Verseaux, s'il vous plaît. Pour les Verseaux. Allez, pour les Verseaux. Ma chance. Il y a quand même la chance avec vous, hein, mais accusation. J'ai parlé trop vite. Allez. Et au dos, j'ai ici. Il y a un ami ici qui peut vous donner un bon conseil. Ça peut être un conseiller, ça peut être un ami proche de vous, ça peut être. Voilà. Ça peut être aussi un expert, hein, qui peut vous donner ici de bons conseils. Si vous avez des difficultés, voilà. Peut-être qu'on vous recommande d'aller voir quelqu'un qui est un expert dans son domaine. Vous avez en tout cas peut-être affaire aussi à cette personne-là. On parle qu'il y avait une opportunité qui était là, une chance, une amélioration. Bon, en tout cas, je sens qu'il va y avoir ici de l'amélioration sur une situation qui semble ici vous générer
pas mal de problèmes, hein, parce que là, vous avez vraiment de la difficulté qui... Ouais, j'ai la montagne, c'est un problème qui est assez majeur ici à surmonter. Vous avez vraiment eu pas mal d'accusations, voilà, les choses se sont un peu envenimées, pardon, dans cette situation. Mais là, il y a quand même avec la chance, on nous dit ici, il y a quand même moyen que ça va aller vers de l'amélioration. Parce que là, on vous dit retour à l'essentiel. C'est ce qui va vous permettre peut-être de sortir de cette situation. Il y a quelqu'un ici qui rentre dans votre vie, peut-être cette personne-là qui est là pour vous et qui peut vous donner ici des conseils. Quelqu'un aussi également qui revient dans la situation, peut-être hein, également à vous, hein, pas forcément qui quelqu'un de nouveau, hein, ça peut être juste quelqu'un que vous n'avez pas vu depuis un moment par exemple, et qui va revenir dans vos énergies en fait, enfin vous revoir, être en contact avec vous. On vous dit de ne pas abaisser ici vos standards, c'est-à-dire que si vous avez ici des principes et des valeurs que vous estimez que c'est pas comme ça, que ça se fait pas, ça se fait pas, ça se fait pas, ben voilà, point. Vous n'allez pas vous aligner, vous abaisser à quelqu'un, voilà, juste parce que, voilà, non, ne le faites pas, franchement, ne le faites pas. Restez sur votre valeur et vos principes à vous, point, c'est tout, en fait. Alors, c'est peut-être cette personne-là qui rentrera, qui est là dans votre vie, que vous allez peut-être revoir. Qui a ces énergies-là. C'est quelqu'un ici aussi qui peut ici guider et quelqu'un de bon et de protecteur. Vos anges, en tout cas ici, vous protègent également. Pour certaines personnes, vous êtes guidés et protégés par vos guides. N'hésitez pas à les solliciter, à demander de l'aide. On parle enfin qu'il va y avoir ici de la reconnaissance pour le mérite que vous avez ici. Je pense que vous allez avoir quand même à la fin la récolte. Vous allez avoir ici une célébration. Est-ce que vous n'avez peut-être pas quelqu'un dans la famille qui va ici se marier ou faire la fête ou un baptême ou quelque chose comme ça. Peut-être, hein. Peut-être que vous avez quelqu'un ici dans votre entourage qui va ici se marier ou faire une fête, quelque chose comme ça qui est annoncé ici. Bon, en tout cas, ici, par rapport à vos problèmes, pour moi, il y a une amélioration. Vous allez vers plus de... Vous allez quand même surmonter. C'est pas simple ce que vous traversez là. La situation semble assez costaud quand même. Mais pour moi, il y a une amélioration et vous allez surtout revenir à l'essentiel. Donc, faire ce qui est le plus essentiel pour vous. Ne pas abaisser ici vos standards. Donc, ne pas abaisser ici ce que vous estimez quand même qui est bon pour vous, en fait. Peut-être ne vous abaissez pas aussi à des personnes qui sont des traîtres. Hein, parce que j'avais tout à l'heure dans les autres tirages, attention à ces personnes-là, à ne pas vous comporter ou à vous abaisser à ce genre de bassesse, à ce genre de personnes, en fait. Voyez, ne le faites pas. En tout cas, on ne vous le recommande pas. Ici, voilà, pour certaines personnes, ça peut être vraiment ici de la reconnaissance, ici d'un lien, enfin quelqu'un qui va se marier, qui va s'unir pour moi dans la famille. Hein. Il y a un mariage ici dans la famille, un membre de votre famille, peut-être qu'il voudra ici célébrer, faire une fête, en tout cas. Elle est annoncée. Voilà. Mais écoutez, prenez ce qui résonne avec vous. Et je vais faire... Allez, hop, pour les Verseaux, je vais prendre le petit Lenormand, le Gilded Rêverie, le Soleil, l'Étoile, le Chien. Y a quand même la réussite qui est là avec vous, les Verseaux. Sur quelque chose que vous espérez ici depuis un moment, sur lequel vous avez ici l'espoir. Quelqu'un ici qui est proche de vous, qui est fidèle, qui est loyal. Peut-être quelqu'un qui a déjà un enfant également. Hein. En tout cas, on parle ici, si ce n'est pas un enfant, ça peut être aussi un nouveau départ qui est annoncé pour vous ici. Quelqu'un qui vous est fidèle, loyal, peut-être quelqu'un qui est à distance. Et là, on parle d'un nouveau départ. Quelque chose qui démarre ici. De l'homme, ou c'est peut-être quelqu'un qui est plus jeune que vous également. Quelqu'un que vous avez connu par le biais d'Internet, hein, pour certaines personnes. J'ai un homme ici, en tout cas, c'est vous en tant qu'homme. On parle d'ouverture ici au niveau de la communication. Qui sont là. Donc il va y avoir ici des révélations, des choses qui vont être dites. Et pour d'autres, vous avez ici dans votre entourage des personnes, vous devrez vraiment ici
Enfin, ne pas communiquer avec eux. Gardez votre mystère, en fait. Gardez les choses pour vous. Parce que, je ne sais pas, ouais. C'est vraiment votre entourage qui est là. Des personnes dans l'entourage, vaut mieux vous taire ici au niveau de la communication avec ces personnes-là. Ça me parle ici pour un homme Verseau. Ou par rapport à un homme, si c'est vous en tant que femme Verseau, bah, votre autre. Et là, dans son entourage, des personnes avec qui, pour moi, il devrait faire attention avec qui il parle. J'ai encore un autre masculin. Je crois que je ne les prends pas normalement, il me semble. Bon, je vais prendre quelques-unes. Waouh. En tout cas, ici, pour une énergie masculine, un homme, on lui annonce ici une nouvelle concernant ici un contrat. Ça ressort, ce fameux contrat, comme tout à l'heure dans les jeux des 32 cartes. Il y a un contrat pour vous ici, les Verseaux. Un contrat de travail ici. Il y a du courrier. Peut-être ici, après un entretien, là, vous êtes en attente ici d'un contrat de travail. Là, pour moi, il y a des nouvelles qui arrivent par rapport à ça, une réponse qui arrive. Il y a un contrat de travail ici à la clé. Quelque chose que vous désirez depuis longtemps, j'ai l'impression. Bah écoutez, ou alors c'est peut-être d'un homme hein, que vous attendez, peut-être si c'est un homme qui vous a passé l'entretien ou un poste, enfin voilà, c'est peut-être un homme qui va vous contacter pour vous donner ici une réponse par rapport à un contrat de travail. Hop. Bah chouette, hein. Vous souhaite. Allez, pour les Verseaux. Il y a quelque chose que vous traînez ici comme un boulet, les Verseaux. Je suis désolée de le dire, mais dont vous devriez vous libérer pourtant et chercher ici à vous ancrer, à vous stabiliser. Ouais, mais parce que vous les traînez ici comme un boulet. On vous demande de garder la foi ici dans cette situation qui est là. Parce qu'il y a quelque chose ici qui peut vous mettre en joie, en tout cas vous apporter ici du bonheur. En tout cas, il y a du bonheur qui est là, un épanouissement qui est là en tout cas. On vous demande de vous purifier ici au niveau de vos énergies, hein, vraiment de vous purifier. Ici, par rapport à un projet que vous voulez vraiment ici mettre en place ou que vous mettez ici en place, j'ai l'impression que vous êtes vous avec vous. Hein. Voilà. Il n'y a que vous. J'ai l'impression que vous pouvez compter que sur vous-même. Il y a des nouvelles qui arrivent ici. Peut-être une réconciliation avec quelqu'un au niveau de la communication par rapport à un déplacement. Ou un rapprochement, pardon. Vous allez pour moi peut-être discuter ici, peut-être d'entamer ici un déplacement afin de se rapprocher ici de quelqu'un qui est peut-être à distance de vous également. Voilà. Prenez ce qui résonne avec vous. Ouais, et pour d'autres, vous avez vraiment peut-être ici, on vous. Comment dire? Vous pouvez ici avoir des messages, des synchronicités, des messages ici dans de la musique, les Verseaux. Voilà. Mais écoutez, prenez les messages qui résonnent avec vous. Moi, je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao!